Plus rien ne sera jamais comme avant. La société démocratique et républicaine ne pourra plus fonctionner selon des mécanismes éculés qui, depuis plusieurs décennies, ont confiné au partage du pouvoir par quelques-uns. Plus rien ne sera jamais comme avant, parce qu'on est aujourd'hui dans une situation et je dirais quelques démarches qui font que la violence est devenue un moyen d'expression. Vous le savez, nous avons été avec ma famille victimes de 6 coups de fusil devant le domicile. Vous le savez, j'ai reçu plusieurs menaces de mort. Excusez-moi. La République, la démocratie, ce ne sont pas des menaces. Nous sommes un pays dans lequel nous avons le droit de manifester, dans lequel vous avez le droit de manifester, dans lequel nous avons le droit de tout dire, dans lequel vous avez le droit d'exprimer ce que vous souhaitez. Employer des armes à feu, employer des menaces physiques, employer des menaces de mort revient quelque part à sortir du champ républicain et démocratique. Je veux juste attirer votre attention, mesdames et messieurs, sur les risques qu'encourt notre pays. Je le crois sincèrement. S'il n'est pas, dans les mois à venir, décidé par le plus grand nombre, par chacune et chacun d'entre vous, par chacune et chacun des femmes de France, d'accepter que nous posions, que nous discutions, que nous échangions, que nous élaborions ensemble, pourquoi pas, un certain nombre de réformes, que les parlementaires soient tenus, y compris sous la contrainte financière, de venir rendre compte, de venir rencontrer les femmes et les hommes de ce pays, nous irons au-devant de grandes difficultés.